Alors du coup, je vais t'expliquer comment ça va se passer l'interview, je vais te poser quelques questions. Moi, de toute façon, on ne voit pas, on n'entend pas, et les questions seront montées au montage avec des textes. Hein? Donc on va commencer avec des questions assez banales, hein, du genre, je t'appelle comment, t'as joué quel rôle dans Harry Potter J'ai pas joué dans Harry Potter. Ah, t'as pas joué dans Harry Potter? Ah, c'est dans Les Animaux Fantastiques que t'as joué alors? Non plus, non. Ah, bah t'es une voix française? Non. Et t'as fait quoi dans Harry Potter? Hein? T'as fait quelque chose dans Harry Potter? Bah non, pas du tout, non. Attends, je comprends pas, on m'a dit, attends, tu vas voir un comédien quand tu viens de l'expo-mention, je compte sur toi, t'as intérêt de faire une super interview. Non mais il est où le comédien mais c'est moi le comédien. Non mais attends, je comprends pas. Bon écoute, de toute façon c'est pas grave, on doit tester le matériel, en attendant que le comédien arrive, profites-en, parle-nous un petit peu de ce que tu fais, et ça se trouve, si tu présentes bien, peut-être qu'on la publiera, et si ça se trouve, bah, tu te feras remarquer par un réalisateur. T'as vu toute ma gueule ou quoi? Oh. Non, bah attends, t'es prêt? Vas-y. Non, tu sais quoi, regarde. Hein? Tu le fais, allez. Non, mais voilà, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, non, mais attends. Ouais, c'est bon, on peut sortir l'anonymat et t'as fait la chose. Non, t'arriveras à rien avec cette attitude, hein. Non, mais n'importe quoi. C'est Philippe Vasseur, dans Hélène et Garçon. Non, mais Philippe Vasseur. C'est un acteur. José? Mais oui, tu peux le traiter comme ça, quoi. Ah, mais José, j'avais pas capté, attends. Oh putain. Non, mais José, le prends pas mal, ça va, je rigolais. Tu reviens. Secret. Beaucoup de pinards. je sais pas. 800, 900, 1000, 1000, je dirais 1000. José da Silva, c'est un grand moment. C'est un mec qui aime les femmes, je sais pas si vous le savez. Qui aime ses potes, mais je pense qu'il n'est pas complètement fini. Mais je pense qu'il lui manque un petit peu, il manque le gaz à l'étage ou la lumière, je ne sais pas, il lui manque un truc. Mais c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, qui est un bon gars, c'est un bon gars. Mais il ne sait pas trop où il habite en fait. Voilà. Les points communs, c'est... C'est ce que j'ai mis dans ce rôle parce que voilà, il était écrit, parce que j'étais une pièce rapportée au départ. J'étais un petit peu la plante grasse qu'on met derrière son clavier. Mais c'est vrai, hein, au départ, j'étais pas. Ouais, sur Hélène et les garçons, je suis arrivé au troisième épisode. Donc c'était un petit peu bâtard. Et puis j'ai alimenté le personnage avec Philippe. Bah avec voilà, j'aime bien faire le con, vous avez remarqué, donc voilà. Malheureusement, je pense qu'il va continuer à être volage. Malheureusement. J'en discutais ce midi avec des copines. J'aimerais bien le voir prêtre. J'aimerais beaucoup qu'on arrête tout ça. Et ouais, non, mais l'avenir, c'est ça. C'est, oui, malheureusement, il va continuer à être volage. Et puis sauter sur tout ce qui bouge. Voilà. Oui. Volontiers, oui. Ah ouais, j'ai adoré. Ah ouais, puis mon fils est fan aussi. Ouais, j'ai vraiment adoré. C'est Serpentard. Non. Si. Coupez. Si. Si. La chambre des secrets, parce que j'ai une phobie des araignées et j'adore celui-là. Non, j'ai fait quelques petites apparitions dans des séries policières, genre Héloïse Rome, des choses comme ça. J'ai fait du théâtre pendant 7 mois, mais rien d'autre, non. Non. Je ferai mourir Trump du Covid. Déjà. Et je veux pas jouer les Miss France qui disent qu'on voudrait un monde meilleur, mais je ferai du ménage, je ferai un gros ménage avec tous les salopards qui traînent, ouais, c'est clair.
plume de Poudlard.